le titre nous est tombé dessus sans qu'on le veuille vraiment. Oui. Ça a été... on a remarqué que Chanson pour l'oreille droite ne marchait pas. Oui, ça c'est sûr. Non. Mais Chanson pour l'oreille gauche, ça marche beaucoup. Et en plus, il y a plein d'invités. Alors, en invité, nous avons par exemple Alexey Agui, le violoniste de Moscou. Et on a aussi une invitée belge. Anya Kowalski. Ouvrez bien votre oreille gauche, mais ne fermez pas non plus la droite.